Bon nombre de familles canadiennes se préparent déjà pour leurs activités estivales. Toutefois, pour les parents d'enfants qui souffrent d'inurésie nocturne, le changement de routine durant les vacances d'été peut être source d'anxiété. Selon un récent sondage réalisé par Léger Marketing auprès de mamans canadiennes, plus de la moitié des mères participantes ont indiqué que les vacances d'été avaient un impact sur leur routine quotidienne. Et près de la moitié affirment que les enfants qui font pipi au lit ne profitent pas pleinement de leur été. Le sondage a également révélé que même si les mamans se préoccupent de l'impact émotionnel que l'énurésie nocturne peut avoir sur un enfant, peu d'entre elles réalisent les conséquences potentielles graves que cette condition entraîne à long terme si l'enfant en souffre au-delà de l'âge de 5 ans. Le docteur Diego Barrieras est urologue au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal. Alors, les neurésies sont ce qu'on appelle communément les, les pipis au lit ou des fuites involontaires et incontrôlées d'urine euh, lorsque l'enfant dort. Euh, C'est une condition commune qui touche 15 des enfants de 5 à 6 ans et qui s'estompe progressivement au fur et à mesure de la croissance, mais qui peut perdurer à l'adolescence et même parfois à l'âge adulte. Évidemment, ce n'est pas dangereux, mais ça s'accompagne souvent de gêne, une perte de l'estime de soi et un isolement avec un évitement des activités sociales normales de l'enfant. Le sondage révèle que même si les mamans sont inquiètes des conséquences émotionnelles de l'énurésie nocturne, plus de 60 des parents n'ont pas discuté de ce problème avec le pédiatre de l'enfant. En fait, 45 des parents qui n'avaient pas encore discuté de cette condition avec le pédiatre de leur enfant ne savaient pas qu'il s'agissait d'un problème médical réel. Et 54 de ceux qui ont participé au sondage espèrent simplement que le problème passera avec le temps. En fait, les neurésies nocturnes, c'est une condition médicale qui, sans être dangereuse pour la santé de l'enfant, est une condition réelle qui affecte les enfants dans un bon pourcentage de cas et qui, en soi, mérite des traitements lorsque l'enfant est affecté. Ces traitements-là sont de plusieurs ordres, mais il y a un traitement très efficace qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et qui est l'utilisation d'une hormone qui limite la production d'urine la nuit, qui s'appelle la vasopressine. Et on l'utilise sous forme d'un comprimé à dissolution rapide qu'on prend par la bouche sans eau, qui s'appelle le DDAVP Fast Melt. C'est un traitement excessivement efficace et facile à prendre qui permet de solutionner la condition pour des enfants. Le traitement pour les nocturne nocturnes doit être personnalisé en fonction du type et de la gravité des symptômes. Pour en savoir davantage au sujet des options thérapeutiques pour les nocturne, nocturnes, consultez votre médecin ou visitez le site santécheznous.ca. Un reportage de Louise Philippe.